Si est-il l'heure de la rentrée sur le petit écran? Il faut dire que depuis déjà plusieurs jours, les téléspectateurs ont pu observer plusieurs changements dans leurs programmes favoris, après un mercato estival intense. Julia Vignali est désormais à la tête d'Affaires conclues, Marie Portolano a fait ses débuts dans Télématin, de même qu'Isabelle Iturbourous sur TF1 et les JT de 13h et 20h de France 2 ont un nouveau plateau. Nouvelle salve ce lundi 4 septembre avec, notamment, le retour des talk-shows, Clic, C'est à vous, Quotidien et TPMP. Mais ce n'est pas tout. En effet, les jeux des après-midi de France 3 vont également connaître un, léger, changement. Explication. Voici les nouveaux horaires de duel en famille, slam et question pour un champion dès lundi, les JT de la mi-journée et du soir de France 3 vont évoluer avec la suppression des journaux nationaux liés à la réforme Tempo. Ils seront remplacés par des éditions purement régionales enrichies, ici 12-13 et ici 19-20, qui y intégreront l'actualité nationale et internationale. De fait, si est toute la grille de programmation de la chaîne qui va être un brin chamboulé. Jusque-là diffusé à 16h15, le jeu duel en famille débutera désormais à 16h45 du lundi au vendredi. Jusque-là diffusé à 17h, le jeu Slam débutera désormais à 17h25 du lundi au vendredi. Jusque-là diffusé à 17h45, le jeu Question pour une champion débutera désormais à 18h10 du lundi au vendredi. Le format retrouvera ainsi son horaire historique de diffusion. Enfin, la tranche info ne débutera plus à 18h30 mais à 19h. Cyril Ferraud satisfait des nouveaux horaires des Jeux de France 3. S'il faudra attendre quelques jours pour savoir si le public se fait à ces nouveaux horaires, Cyril Ferraud, lui, semble ravi, si est-il la révolution. Je suis assez content que Duel en famille quitte la case de 16h15 qui était très, très tôt. On était en plein milieu de la journée et il y avait donc plein d'autres choses à faire que de regarder la télé. À cette heure-là, une demi-heure de décalage, ça compte, nous a-t-il confié tout en nous détaillant la nouvelle formule de son jeu.